Bonjour. Exercice des 31 jours de Grégory Grabovoy. Troisième jour du mois. Aujourd'hui, troisième jour du mois, pensez à votre respiration. Écoutez l'air entrer dans vos poumons par vos narines et remplir votre cage thoracique. Puis, sentez votre cœur et la circulation sanguine qui fourmille partout dans votre corps. Alignez-vous à votre être, dites-lui que vous l'aimez et abandonnez-vous à lui. Troisième jour du mois. Portez votre attention sur une plante réelle et observez-la tout au long de votre concentration. Une autre approche consiste à imaginer une plante, un arbre, une fleur, et ensuite à visualiser l'image ainsi créée. Entrez maintenant en harmonie parfaite, en relation profonde avec le monde végétal. Pour faciliter votre tâche, vous pouvez aussi visualiser une immense forêt dans laquelle vous vous fondez. Ressentez la vie de ce monde. Vous êtes lui, il est vous. Tout en vous concentrant sur votre plante, créez l'événement désiré et voyez-le se réfléchir à la lumière de la plante, à la lumière émanant de la plante. Construisez cet événement et voyez-le réellement au travers du phénomène dit réflexion de la plante. L'énergie émise par la plante, par un arbre, une fleur, peut transformer beaucoup de choses en vous si vous prenez conscience de la naissance de cet échange. Série de 7 chiffres 5, 1, 4, 2, 9, 8, 7. Série de 9 chiffres 4, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Je répète, série de 7 chiffres 5, 1, 4, 2, 5, 8, 7. 4, 2, 1, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Méditation, troisième jour du mois. Portez votre concentration sur la réalité. Et vous découvrirez de nombreux mondes. Observez votre monde, rapprochez-vous-en et laissez s'amplifier, croître. Observez le monde tel un spectateur, un témoin. Soyez le spectateur silencieux de ces nombreuses transformations. Écoutez son témoignage. Puis, approchez-vous de votre planète, de votre terre, et posez vos mains sur elle. Percevez toute la chaleur et l'accueil qui s'en dégage. N'ayez crainte d'emmagasiner tout cela, puis glissez-la vers votre cœur. Posez-la sur votre poitrine. Acceptez d'entendre dans son murmure la voix du Créateur. Soyez à l'écoute de ce qu'il suggère, de ce qu'il a à vous transmettre. Accordez votre propre savoir avec le sien et recevez en retour la vie éternelle. Merci pour votre écoute. Belle journée à tous et toutes.